Allez, le travail défensif des jokers. Ouais, ça récupère, on change de côté avec Jules Lefebvre. Voilà. Ouais, contrôle mal attention, le ballon, ça va être récupéré. Attention, le lancer peut-être de Rousseau, il est pas mauvais. Ok, là, et le but oh, pour Gaborie, il me semble, qui a pris le rebond sur ce gros shoot hein, de la part de Dussault. Il s'est pas posé de questions, il bien placé Gaborie. Et c'est lui qui inscrit ce but pour les Ducs d'Angers à 4 minutes 40. Allez, Farnier qui continue de travailler avec Salonen derrière, Melun. Allez, Kopila, peut-être le lancer de Salonen. Et le seul, il est but. Et oui, c'est le but pour Mauer. Oh, les jokers qui ont trouvé enfin la solution pour cette fin de power play, il me semble, en plus, Julien, ah, si je dis pas de bêtises. À la fin, on sortait de prison côté Anjou, côté Angevin. Mais là, pour le coup, on leur disait qu'il fallait qu'ils prennent leur temps. Ils l'ont pris le temps, ils se sont bien installés, ils ont réussi à trouver le décalage. Et là, pour le coup, c'est un superbe but avec Melun, notamment à la ligne bleue. Là, ils ont réussi à trouver un jeu en triangle pour complètement déstabiliser. Charbonneau, ouais, deuxième encore lancé de Charbonneau, attention. Là, il y a un gros pressing de la part des... Oh, le but! Oh, le lance-missile de la part de Malavion. Voilà, il fait la touillette. Bah, c'est parti, allez, voilà. Ouais, ça faisait un petit moment hein, que ça chauffait hein, sur le but des jokers. Oh, ce gros lancé de Manavion qu'on va revoir, et il l'attend, il est bien placé, le missile seul air, et puis voilà, ça trouve le milieu de la cage de Dillonen, il n'y a pas photo. Il y a beaucoup de monde devant Dillonen, là ils étaient au moins 4 joueurs devant le but, alors forcément il n'y a pas dû le voir arriver. Bah, c'est Jules Lefebvre hein, qui va à la bataille, il n'a pas le choix face à Arms, faut aussi jouer du physique à un moment donné. Oh là 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 là, là c'est récupéré par Yorka, il me semble, Vincent Yorka, le cinéma Yorka, attention, oh, le troisième but, la punition, Julien, la punition, avec ce travail, comment ils ont pu laisser Vincent Yorka travailler de cette façon. Et regardez, ils sont contents, ils se félicitent, mais ils ont raison, parce que le travail, grâce à ce travail de Vincent Yorka, petit décalage, et hop, et t'as plus qu'à la mettre au fond des filets. C'est parti encore, on a allé récupérer hein, en fond de zone. C'est les Ducs hein, qui récupèrent tous les palets actuellement. Et on le sait, hein, quand on sort avec le palet, forcément on prend l'ascendant sur l'équipe adverse. Il y a temps mort demandé par Jonathan Paredes. Ah, bah, il doit bien voir hein, Paredes, forcément tout le monde le voit que c'est compliqué là. Et petit lancé, c'est... C'est récupéré encore là par Thompson là, qui passait devant. Ah, il faut reprendre encore des shoots là côté de Joker, Coulombe. Pas de Coulombe, mais c'est vite. Oh oui. Ah, c'est pour Farnier sur ce relâchement de la part de Evan Collet et se lancer. Et enfin Farnier qui trouve la solution et qui inscrit ce deuxième but. Un peu inattendu, Julien, mais il y a quand même ce deuxième but. Attendu, mais ça faisait 30 secondes là qu'ils avaient récupéré la possession du palais, les Jokers. Alors je disais juste avant, c'était Aurélien Doré qui n'avait pas réussi à. Enfin, qui n'avait pas pris le shoot en tout cas sur l'action précédente. Coulombe, lui, il s'est pas posé de questions, il l'a tenté et tout leur temps. Ils sont à 6 hein, tant que ça n'a pas été touché. Par contre, les jokers se sont bien replacés, ça c'est intéressant quand même. Allez, Yorka, le gros lancé, le but. Oh là là, le but. Oh, le petit trou, la lucarne, le petit trou, la lucarne, Julien. Ici, il est compliqué à mettre parce que je crois qu'il est quasiment sur la ligne. Exactement, incroyable, incroyable le décalage qui est fait. On va trouver là, et oui, c'est superbe, c'est superbe. Ouais. Quel but de la part des Ducs d'Angers qui reprennent un avantage de 2 buts avec un petit 4-2 comme ça. Voilà, hop, au deuxième tiers-temps, c'est cadeau ça. Ouais, c'est cadeau parce qu'encore une fois, on les a laissés jouer en zone défensive. On n'a pas été Vincent Melun. On peut y aller, Vincent. Tu peux passer sur ton côté gauche, voilà, si tu veux. C'est ce qu'il fait. Hein. Loïc Farnier, petite passe. Ah oui. Ah oui. Les jokers qui reviennent avec ce but de Salonen. Et ça fait 3-3 pour les jokers, mais toujours 4 pour les Ducs d'Angers. Ouais, bon, en tout cas, tu vois, il nous a écouté. Il a continué son effort. Il a écouté ton conseil, Vincent Melun. Et voilà, ça part de lui. Voilà, et la Salonen. Oh, ça fait du bien aux jokers. Bah, ils n'auront pas douté longtemps, les jokers. Ah, il est important ce but-là parce qu'on arrive à la fin du second tiers-temps. Tant qu'on n'a qu'un but de retard, tout est possible. Calais, Giroud qui lève la tête. Il y a du soutien, donc il n'est pas tout seul. Charbonneau le côté. Oh, quel but et quelle maîtrise de la part des Ducs avec ce but phénoménal. Et ce travail à 3 avec Giroud, Charbonneau et à la finition. Et oui, c'est Philippe Allais. Quand c'est pas l'un qui marque, c'est l'autre. Et quand c'est pas l'autre, et ben c'est l'un. Voilà, ouais. Super. Partie d'un palais hein, perdu au niveau de la ligne bleue, hein, il me semble, hein, côté des Jokers. Ça a été rapide, on a réussi à trouver le bon décalage côté
côté Angevin, un but qui arrive au bon moment pour eux. Ah bah oui, mais de toute façon, là, je pense que là, vous pouvez récupérer cette séquence de jeu. Hein, il a montré dans les écoles de hockey, c'est très bien fait, c'est simple, c'est rapide, c'est fluide et c'est efficace, tout simplement. Voilà, on revoit ce venu jouer, en tout cas, du côté des Jokers, Pat Coulombe, qui continue à encore un nouvel effort offensif. Ah, le but ! Ah oui, le but de Pat Coulombe, et voilà, la récompense suite à sa grosse mise en échec de la part de Ross. Et bien, la meilleure des réponses, c'est Pat Coulombe qui la donne. On a vraiment ce... Pat Coulombe qui est parti, qui est parti quasiment de sa ligne bleue. Personne qui est venu l'attaquer, hein. il est monté, il prend un shoot, peut-être dévié, mais en tout cas, ça permet à son équipe de recoller encore au score. Et comme tu le disais, ouais, c'était pris une grosse charge là, 10 secondes avant. C'est la réponse. Eh ben écoute, ouais, c'est la meilleure des réponses qu'il pouvait apporter. Et ça permet aux Jokers de revenir. Faut revenir là, les Jokers, faut faire l'effort. Allez, Giroud avec Charbonneau, une nouvelle fois le trio magique. Oh, le but ! C'est le doublé pour Philippe Allais avec cette passe au millimètre lumineuse de Giroud pour Allais. Et c'est la punition et la lucarne. Superbe, ouais. On revoit ce but. Et Giroud qui temporise, hein. Il sait qu'il va venir. Il coupe bien comme il faut au niveau du poteau. Ouais, on va surtout Allais qui prend le meilleur sur son défenseur. Hein. Il lui passe devant au bon moment pour venir dévier le palais. On voit toute la différence là, entre les deux équipes.